C'est parti pour notre premier road trip. Voilà, avec la camionnette à papy. Raménagée en circonstance, pour la circonstance évidemment. Là, nous allons essayer de passer la nuit, enfin les nuits, puisque nous sommes partis pour une semaine faire le tour du Pays Basque espagnol. Cette première étape, nous sommes à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Et bien la suite au prochain numéro. Première nuit est passée, ça s'est pas trop mal passé, mais nous avons eu un gros orage qui était un peu difficile. On a pris un peu la flotte, mais dans l'ensemble c'était pas trop mal pour une première expérience. Il y a quand même des améliorations à mener. Voilà, maintenant nous partons sur San Sebastián. Hier soir, il a fait un orage à tout péter, un orage comme jamais on avait eu, je crois. Ça tournait de partout, c'était la guerre. Voilà, ce matin, on est sous notre abri là, tranquillou, on déjeune. Et bien, vous savez pas quoi, il pleut. Voilà, à bientôt. Baila no.
Ali. Chorianu en maite, etani. Chorianu en maite. Troisième nuit à Lograno. Il est 9h45 et nous allons partir pour la quatrième étape qui va nous amener à Tabernas. À Bardenas, pardon, parce que Tabernas c'est en Andalousie, je pense. À Bardenas. Alors, cette nuit il n'a pas plu. Par contre, en début de soirée, nous avons pris un méga orage avec des éclairs que jamais de ma vie j'avais entendu aussi fort. Enfin, des tonnerres du moins. C'était terrible, terrible. On s'en est bien sorti. Donc voilà, pour le moment, tout se passe bien. Il devait pleuvoir toute la journée d'après Pascal. Et je vois que le ciel n'est pas trop mauvais. On voit un petit ciel bleu. Voilà, on quitte ce camping espagnol charmant pour une autre aventure. À bientôt. Alors, si vous avez bien suivi, nous sommes à 3 jours, enfin, c'est le quatrième aujourd'hui, mais à 3 jours et 3 orages. Donc c'est pas mal quand même, hein. Puis des orages ici, quand ça pète, ça pète. Je crois que j'avais jamais vu et entendu surtout des tonnerres de Dieu, quoi. Voilà, là c'est vraiment le tonnerre de Dieu. Allez, on est parti. La vaisselle essuyée, bien sûr, et Pascal elle lit un bouquet. Voilà, bon, il vaut mieux ça que d'être sur un téléphone. Bon, ben voilà, pas d'orage cette nuit. Donc, ce matin, nous sommes bien au sec et bien contents.